secrets et mensonges. D'accord, merci. Au revoir, et merci. Au revoir. Quelle gigantesque perte de temps. On est venu jusqu'ici et ça n'a servi à rien. Et maintenant, pendant combien de temps encore on va devoir faire ça? Dis-moi comment on va obtenir justice pour Ellie. Et maman? Et papa? J'y crois pas, c'est sans espoir. Katrina, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ah, et pourquoi pas? La dernière option qu'il nous reste, c'est que ce soit moi qui témoigne. Mais tu les connais bien, Anna. Je suis sûre qu'ils trouveront quelque chose à redire à mon témoignage. Et ils finiront par tout me remettre sur le dos et je suis sûre que c'est moi qu'ils enverront en prison. Qu'est-ce qui va se passer? On va les laisser gagner? Non, sûrement pas. J'ai l'impression que cette femme nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai vu le nom de la personne qui l'a appelée avant qu'on parte. Il y avait marqué Nika. Ça peut être une autre Nika. Non, je pense pas. J'en ai pas l'impression. Dans tous les cas, je crois que tu devrais rentrer. Je vais rester et garder un œil sur elle. Quoi? Non! Si tu crois vraiment qu'elle nous cache quelque chose, je reste avec toi. Moi aussi, je veux connaître la vérité. Regarde! J'ai parlé à Montemayor et il m'a dit que Anna préparait quelque chose. Apparemment, elle cherche un témoin. Qui ça? Non. J'en sais rien, mais tu confirmes qu'on a bien effacé toutes les traces? Oui. Et ne t'en fais pas, je trouverai qui est ce témoin. Bien. Gaël. Oh! Depuis quand tu es là? Pas longtemps, je viens tout juste d'arriver, mon oncle. Vous avez l'air sérieux tous les deux, non? Est-ce qu'il y a un problème? Non, pas du tout, tout va bien, regarde. J'ai fait préparer tous tes plats préférés. Viens, assieds-toi, mange avec nous. C'est gentil, merci beaucoup, mon oncle, c'est gentil, c'est... Et je peux savoir en quel honneur? Eh bien, demain, je vais annoncer que je me présente pour devenir vice-président. Et, bien évidemment, j'aimerais que tu sois à mes côtés. Quoi? Tu vas vraiment te présenter? Je ne comprends pas. C'est vraiment une bonne idée, avec les accusations qui pèsent toujours contre toi? Gaël, tu dois comprendre que le nombre d'accusations qui pèsent sur ton père n'ont aucune espèce d'importance. Il ne sera inculpé pour aucune d'entre elles. Mais maman, comment tu peux être sûre qu'il n'arrivera rien à mon oncle? Tu me connais bien, non? Je ne me laisserai pas faire aussi facilement, tu peux me croire. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler tonton. Appelle-moi papa. Ok. Papa. Alors? Madame Del Mundo, désolée, mais nous ne pouvons pas vous accorder de prêt personnel pour l'instant. Quoi? Pourquoi? Eh bien, malheureusement, nous ne pensons pas que ce soit dans l'intérêt de notre banque. Nous avons entendu parler de ce qui est arrivé à vos comptes. Et nous ne pouvons pas être sûrs que vous pourrez rembourser vos emprunts. Josie, vous me connaissez depuis longtemps maintenant. Et vous connaissez mon passé avec cette banque. Et j'ai remboursé chaque prêt que j'ai obtenu. Vous êtes d'accord? Si vous aviez au moins la possibilité de nous fournir des garanties, peut-être pourrions-nous faire quelque chose. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Bien, alors je vous vois demain. Hilary? Ah, Nicole! Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai. Est-ce que vous allez bien? J'ai appris ce que Salvador vous avait fait subir. Ah.
Merci de vous en inquiéter, je vais bien. Et pour être honnête, je suis contente d'avoir pu échapper à ce monstre. Vous savez, à chaque fois que j'y pense, ça me fait vraiment froid dans le dos. C'est vrai, comment a-t-il pu oser? Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait vous faire ça à vous, non, vraiment? Il n'y a pas qu'à moi qu'il s'en est pris. Il attaque aussi Samantha. Écoutez, et si on en discutait, hein? Je peux peut-être vous aider. Vous êtes libre demain? Oui. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup, Nicole. De rien. Alors, on en discute demain, d'accord? D'accord. Très bien. Je vous laisse. À plus tard. Merci. Au revoir. Ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va, mais je crois que... Elle est là! C'est bien sa sœur. Quoi? Tu es sûre de toi? Oui, c'est la femme qu'on a vue sur la photo chez elle. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va la voir et on lui explique pourquoi on est venu la chercher et pourquoi on a besoin de son aide. On y va. Tu vas bien? Tu es sûre? Oui, oui, et toi alors? Tout va bien, je t'assure. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir été suivie tout à l'heure. Vraiment? Oui. Infirmière Nika? Qui êtes-vous? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ne vous inquiétez pas, on ne vous veut aucun mal. Vous êtes bien Nika Rivera? Moi, je suis Anna Dimasalang et voici ma sœur, Samantha Del Mundo. S'il vous plaît, on a besoin de vous parler de ce qui est arrivé au président Noblet. Del Mundo? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Viens, on s'en va. Attendez, attendez! On a vraiment besoin de votre aide! Je ne suis au courant de rien. Laissez-moi partir! Dépêche-toi! Tu te souviens? Quand tu étais petit, je t'avais accompagné au camp des Boy Scouts. Et t'arrêtais pas de rire parce que j'avais mis le foulard, dans le mauvais sens. Tu te moquais de moi. Tu as ri pendant des heures. Tu n'avais pas besoin de m'accompagner, tu sais. Je sais bien, mais j'en avais envie. Parce que je ne voulais surtout pas rater aucun des événements de ta vie. Je voulais être avec toi, pour partager les moments importants, tu comprends? C'est pour ça que j'ai toujours fait de mon mieux pour être là. Allô, Waldo. Madame, j'ai suivi Anna. Elle était à la recherche d'une femme. Qui ça? Je ne l'ai pas reconnue, mais je viens de vous envoyer une photo d'elle. Nika Rivera. Injectez ça dans la perfusion Noblet. Et surtout faites en sorte de ne pas vous faire prendre. Je ne sais pas si j'en suis capable, madame. Je suis sûre que ceci vous aidera. Une fois que ce sera fait, vous devrez partir. Personne ne doit jamais découvrir ce qui s'est passé. C'est pour votre propre sécurité. Après tout, vous avez affaire à des gens très puissants. Si vous commettez la moindre erreur, quelque chose pourrait vous arriver à vous ou à votre famille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'elles se sont parlé? Non, madame. La femme s'est enfuie quand Anna s'est approchée d'elle. Je crois que Anna et Samantha sont à sa recherche en ce moment. Alors retrouvez-la. Elle s'appelle Nika Rivera. Recherchez sa famille aussi. Rappelez-leur un peu ce qui peut se passer si jamais ils se mettent à parler. Faites-leur passer l'envie de parler à qui que ce soit. Est-ce que c'est bien compris? Et pour Anna Dimasalang? Surtout faites en sorte qu'elle ne s'approche pas de Nika Rivera. Je me suis bien fait comprendre? Oui, madame.
Très bien. Par ici. Viens, viens, viens. On va se cacher ici. Dépêche-toi. Où elles sont passées? Elles peuvent pas être bien loin. On va continuer à les chercher. Pourquoi tu as fait ça? T'aurais pas dû faire ça, je peux très bien me débrouiller. Peut-être, mais on est sœurs. Je dois te protéger. Comment tu peux encore dire ça? J'ai fait tellement de choses horribles. Oui, je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, le même sang coule dans nos veines. Et on est censé se protéger. Mais moi, j'ai pas besoin que tu sacrifies ta vie pour moi, Anna. J'ai pas l'intention de sacrifier la mienne. Et j'ai pas envie de te devoir quoi que ce soit. Mais je ne te demande rien en retour. Xander, écoute, j'arrive pas à joindre Anna et Samantha. Maman les a fait suivre. Tu sais où elles se trouvent? Ok, je vais les retrouver. Tu vas quelque part, Gaël? Désolé, je dois partir. Ah bon? Je ne sais pas ce que tu prépares, mais je te le déconseille, Gaël. Ah oui, maman? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je n'ai rien prévu. Alors dans ce cas, on n'a plus rien à se dire, maman. Bon, moi, il faut que j'y aille. Gaël a essayé de me joindre. Moi aussi. Je me demande pourquoi. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est Gaël? Non, c'est Xander. Allô, Xander, je t'écoute. Anna, vous êtes où avec Samantha? On est toujours à la recherche de l'infirmière, elle a réussi à s'enfuir. Vous devez arrêter de la chercher et rentrer à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Gaël, il m'a appelé. Miranda est au courant de ce que vous faites et elle vous a fait suivre. Rentrez à la maison. Comment? Ok, d'accord, on rentre tout de suite. Anna, fais attention. C'est promis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Miranda nous a fait suivre par un de ses hommes. Quoi? Il faut qu'on parte d'ici maintenant. Attends, et l'infirmière? On la cherchera une autre fois. Maintenant qu'elle sait qu'on est après elle, elle va sûrement se cacher. On doit se mettre en sécurité. Je vais appeler Gaël. Je suis sûre qu'il doit s'inquiéter. Allô, Gaël? Oui, j'ai déjà parlé à Xander. Ne t'en fais pas, on va partir. On va rentrer. Ok. Allons-y. Où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Allô? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Waldo, je sais que c'est vous. Vous allez dire quelque chose ou pas? Allez, je vous écoute. Monsieur...
Je devais faire mon rapport à Miranda. Je rappellerai plus tard, monsieur. Qu'est-ce qu'elle vous avait demandé de faire ? Alors, qu'est-ce qu'elle vous a demandé ? Je vous conseille de me répondre rapidement. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé de faire ? De suivre Anna Dimasalang à la trace. D'accord, et qu'avez-vous à signaler ? Rien. Dites-moi ce que vous avez vu ! Anna a essayé de discuter avec une femme. Elle s'appelle Nika Rivera. J'ai appelé Dante et les autres. Ils sont en train de se rendre chez la famille de l'infirmière. Très bien. Alors vous allez dire à Dante d'agir rapidement, hein ? Il doit la retrouver au plus vite. Anna ne doit surtout pas arriver à lui parler, est-ce que c'est bien compris ? Oui, monsieur. Autre chose. Débarrassez-vous de Anna, ok ? Et cette fois, assurez-vous qu'elle ne revienne pas d'entre les morts. C'est bien clair ? Mais monsieur, je crois que Samantha est avec elle. J'en ai rien à faire de ça. Débarrassez-vous des deux. Bien, monsieur. Papa a des hommes partout. Je suis sûre qu'ils retrouveront l'infirmière bien avant nous. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai demain et je continuerai les recherches jusqu'à ce que je la retrouve, je te le promets. Je viendrai avec toi. Je crois pas que tu devrais. C'est trop dangereux. Anna, sérieusement, combien de fois je vais devoir te dire d'arrêter de t'inquiéter pour moi, hein ? Monte. Je peux conduire si tu veux. Non, je conduis. Allez, monte. Monsieur, voilà, c'est fait. J'ai trafiqué les freins de leur voiture. Voilà qui devrait nous débarrasser d'elle définitivement. Tu devrais ralentir un peu. Il fait sombre, c'est dangereux. Ok. Katrina, qu'est-ce qui se passe ? Anna, je crois qu'on n'a plus de frein. Mon Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi, allez. Katrina. Oh, c'est pas vrai. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un accident. Faut qu'on sorte. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon pied. Ah. Attends, bouge pas. Non. Anna, où est-ce que tu vas ? Je t'en prie, ne me laisse pas. Anna,
t'en prie, ne me laisse pas. Anna, mon pied. Allez, il faut qu'on parte d'ici. Ton pied est coincé. Aïe. Tu m'attends. Je reviens. Quoi ? Anna, attends ! Tiens bon. Attends, j'arrive. Dépêche-toi. Allez, à trois. Un, deux, trois. Oh mon Dieu, la voiture va exploser, il faut qu'on parte d'ici. Aïe. C'est bon. Dépêche-toi. Secrets et mensonges.